tout le monde, c'est LMFLX et aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode de Feed the Beast Light 3. Et oui, ça faisait longtemps. Depuis la dernière fois, il s'est pas passé grand chose. Hein. Dans le dernier épisode, nous avions installé ces éoliennes, ces wind turbines plus précisément. Pour ceux qui regardent les autres vidéos, vous avez pu remarquer que je n'avais pas de micro convenable, enfin pas vraiment de beau micro, vous voyez. Enfin, j'avais mon micro d'écouteur, quoi, truc de merde. Et je viens de recevoir le petit objet qui permet de faire fonctionner mon casque. Donc voilà. Dans cet épisode, nous allons faire quelque chose juste pour le fun, c'est-à-dire, enfin pour le fun, ça sert aussi, mais nous allons nous faire tranquillement un petit jetpack, voilà. On va prendre ce mécanisme, je pense, mechanism, plutôt que, sinon il y a quoi? Simply jetpack. Attends, si on regarde les détails. Pourquoi c'est jetpack tout court, cela? Ah, si c'est une durabilité, non, c'est pas ça. Hydrogène. Attendez, on va voir la différence. Merde. Comment il se craft? Ça. D'accord, c'est un truc amélioré celui-là. Ah, armored, c'est qu'il. D'accord, c'est qu'il a une armure en plus. Donc on pourra se faire d'abord celui-là et on verra après si on a de quoi se faire l'autre. Donc c'est pas cher, hein. Pas cher, le Tilingot, le Stilingot, le basic control circuit et le gas tank qui lui se craft. Ouais, en gros, c'est super simple. Donc, vu que c'est simple, pourquoi ne pas le faire dès qu'on peut le faire, c'est-à-dire maintenant? Donc, il nous faut une poudre déjà. Il nous faut Stilingot qui se fait, ouais, Steel Dust qui se fait. On va dire enriched iron, d'accord, c'est vrai. Il faut deux styles, c'est ça. Pas d'autant plus, quelque part, je sais pas. Faut le mettre. 1, 2. Non, c'est pas là-dedans. Si, c'est là-dedans. Ah oui, si, il faut mettre du coal aussi. À gauche. Hop, hop, hop. Hop. Voilà, ça nous fait le petit bouquin pas possible comme d'habitude. Petit bruit un peu chiant. Allez, avec le bruit des éoliennes, le bruit des machines et tout. Ah oui, on a toujours notre tournée de four, y'a rien là-dedans, s'il y a des trucs. Alors oui, ensuite, quand on se sera fait ça, qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Attendez. Arrobase. Mécanisme. Mécanisme. C'est un cas. Alors, combien ça coûte ce truc là? Comment ça s'appelle? Ah oui, l'atomic disassembleur. C'est un truc en fait qui fait à la fois pioche, pelle, hache, où ça casse tout ce que vous voulez. Vous pouvez le régler en mode lent, rapide, pour que ça casse. Voilà. Donc il nous faut un obsidienne, un ingot raffiné. Ah, il faut du diamant. Et de la pulvérisée de Opsi, donc ça coûte un peu plus cher, mais bon, ça a aussi son utilité. Hein. Ok, ça part d'un alloy et ça finit en. Ah, il faut de l'Opsi, quoi. Ça demande de l'Opsi. L'énergie tablette, ouais, bah c'est faisable. Dans cet épisode, je ne sais pas, mais on le fera. Donc, continuons avec notre truc que nous avions commencé. Alors, hop, non, on le repasse ici. Pouf, pouf, pouf. Aussi, si on a le temps, on verra. On fera peut-être du. Comment ça s'appelle? Mine Factory. Avec. On essaiera de se faire une usine à arbres. Ou une usine à. Non, une usine à arbres, de bouffe, on ne manque pas. Avec un harvester et tout ça, mais bon, ça prendra un peu de temps. Donc, soit c'est dans cet épisode, soit sûrement dans le prochain. Ça dépendra du temps qu'on a. Hop, et maintenant on fait cuire. Non, pas ça. Ça. Voilà. Jetpack. Hop, hop, j'ai pas regardé le temps, 19h, hop. Alors il nous faut du tin ingot. 1, 2, 3.
Voilà, on a notre lingot, on a notre poudre. Alors, il faut de l'osmium, il en faut 9. Hop, on n'en manque pas d'osmium. Il n'en faut pas 9, il en faut 8 en fait. Hop là. Ainsi que. Ah oui, osmium avec redstone, ça fait le basic circuit qu'on trouve. Redstone, osmium. Voilà. Et ça sera bon après. Donc, on va commencer à se faire déjà ça. Voilà. On a dit c'était comment déjà? Ouais, c'est ça directement en haut. Donc, pouf, pouf. 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 Et nous avons notre joli petit jetpack. Voilà. Alors, c'est ça pour le recharger. Ah bah oui. Il faut la machine qui va avec. Ah, quoique, on peut les mettre là-dedans. On peut pas les mettre là-dedans. Bon, on va falloir qu'on se fabrique. Ah, bah, il faut mettre. Comment ça marche déjà? Attendez. Attendez. Et il faut le recharger. Hein. Faut faire une pompe spéciale, je sais plus quoi. Attendez. En base, mécanisme. Mécanisme. Grosse prononciation de ma part. Ça c'est les énergies cubes. Faut que je retrouve, je sais plus c'est quoi le nom. On va marquer gaz au pire, ça trouvera peut-être. Gaz. Non d'accord, c'est pas ça. Oui, en même temps gaz en anglais c'est comme ça. Gas tank. Comment on les recharge déjà? Ouais. Gaz masque, c'est quoi ça? Ça masque les gaz, non? Gas burning generator. Ah oui, c'est un générateur à gaz, machin chose. Est-ce que c'est simple à faire ça? Faut... Alors, 8 styles. Non. Non, on veut pas crafter ça. 8 styles. 8 de style et c'est tout. Ah, il faut pas mal des enriched tire alloy là. Enfin, c'est simple à faire. Ok, donc on va faire ça. Du style, il nous en faut 8, j'ai dit. Il va nous falloir pas mal de redstone et de charbon. Il me semble que c'est ça pour faire fonctionner. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça. Enfin, je pourrais te dire de la merde, mais ça m'étonnerait fortement que ce soit pas ça. Voilà. Hop, alors il nous faut également de l'osmium. Il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Ça. 3, 4, 5, 6. Il faut de la poudre aussi, donc c'est 8. 8 osmium, dont 2 que vous voulez dans. Donc 2. Il va falloir faire après le métallurgique qui me fait de référence. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 fer. Et 7 redstone aussi. On va se coucher aussi. Petit dodo. Oh, les éoliennes qui disparaissent. Au KLM. Au KLM, frère. Donc, pof, mais une fois qu'on a ça, on refait. Enfin, on va en faire un deuxième métallurgique, machin. C'est coûté combien déjà ce machin? Métallurgique. Ça peut coûter bien cher. Ok, ça coûte que dalle.
Aston. C'est ça. Attends, donc c'est ça. De mémoire. Et oui, la mémoire a dit vrai. Donc on va en mettre un deuxième ici. On va se prendre un petit câble universal cable. Voilà, c'est ça qui est bon. Alors. Alors, on a dit 7 et 7. Voilà, on a les deux machines qui marchent. Alors, c'est un peu long à faire. Ouh. Hop. Alors, lui, il est terminé. Ok, il est terminé. Il faut tous les mettre en lingots ou pas? 4, 4, 8, ouais. Attention, rapidité. Ah oui, toujours le petit bug d'affichage. Faudrait que je leur mette des améliorations. Je sais comment on fait. Il me semble qu'on peut. Augmentation. Chacun, donc un, deux, ça c'est 6. Alors là, on a les oloïs. On en a 6 des comme ça, il nous en fallait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, il y a 2 poudres en plus, il fallait faire, j'avais oublié. Donc, moi je l'ai déjà fait. Si, je l'ai déjà fait en fait. J'ai rien dit. Donc maintenant qu'on a tous ces machins, on va se faire ça, style casing. Il nous en faut 2. Pof, on a 2 style casing. On va tout ranger là. Ce qu'il nous faut pour le craft principal, enrichit alloy, il nous en faut. Oh putain, ça le range à chaque fois. Déjà 1, 2. Bon, on va laisser tomber, on va pas les ranger. Du coup, il nous faut ça. Ah, il faut un iron, un or aussi. Dépêche-toi. Merci, merci. Donc, on va faire fabriquer ça. Attendez, hop. Hop, on va faire ça. C'est plus simple. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça, ça, ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Pouf, pouf, pouf. Voilà, parfait. Hop, hop, hop. Et voilà. Alors, comment ça fonctionne ces trucs? Est-ce qu'il faut de l'énergie à ce truc? Je vais en le mettre là. Ah mince, j'ai cliqué sur ça à la place. Je me disais aussi. Non, ça n'a pas besoin d'énergie. Burning generator. L'électricité. Attends, est-ce qu'il faut le relier? Je suis pas sûr. Je comprends plus trop là. Attendez. Genre, est-ce qu'il faut pas le relier? Je sais pas, par-dessus. Non. Dessous. Absolument pas. On met une pile dedans alors? Ça marcherait-il la pile? Et pourquoi il y a ça là? Ah oui, c'est pour mettre ça. Ouais, c'est bien ça. On va se crafter une pile alors. Si c'est ça qu'il faut, une batterie. Battery. Pas ça, merde. Ce fail. Alors c'est quoi le nom là, déjà leur pile là-dedans? Ou les piles. Où est-ce qu'ils sont? C'est quoi ça? C'est quoi ton... Bah, c'est moi qui aveugle. Trop bien.
C'est quoi ça? What? Bah, il me semble qu'il y a des piles là-dedans quand même. Bon. Piles. Non. Bah. Où sont mes bas? C'est pas ça quand même. Attendez, c'est le gros trou de mémoire. Oh, c'est chelou la texture, ils ont... Attendez, qu'est-ce qu'il faut mettre là? Comment ça fonctionne ce truc? Je mets ça là-dedans, c'est bien, mais comment on remplit ce gaz truc? Ah non, attendez, gaz sur pipes, c'est quoi ça? Comment on lui met de l'électricité dans ce bidule? C'est rouge joule. Ouais, je veux bien mettre des joules, hein. Ça me dérange pas, mais si tu voulais bien te connecter au réseau électrique, je serais plutôt d'accord. Alors là, je ne comprends pas comment ça fonctionne, s'il vous plaît. Hide. Crate. Story. Attendez. Je suis pas sûr d'avoir crafté la bonne chose en fait. Je vais voir sur internet, ça veut dire quoi? Case machin chose. Case burning generator. Accent anglais de merde, je sais. S'il vous plaît. Alors on va mettre anglais. Je cherche en même temps. Vous m'excuserez. Mais bon, moi et l'anglais, voilà. Gas burning. Générateur. Générateur de gaz de combustion. Ça m'avance. Alors attendez. Est-ce que j'ai pas crafté des câbles à gaz sans le vouloir? Ce truc doit bien produire du gaz vu qu'il en éjecte. Mais comment? Peut-être qu'il faut de la flotte. Non, c'est pas ça. Si je mets ça là. Quoi, il sert le masque à gaz aussi? Pour respirer sous l'eau. Ça sert un masque à gaz, je sais pas pourquoi. Moi non, ça sert à rien, non, ça peut pas être ça. Attendez, on va regarder. En gaz mécanisme. En vérifiant. Et il me semble qu'il y a bien des piles dans ce mode. Qui fait un truc dans le vouloir. Alors là, je suis coincé. Comment fonctionne cet engin? Attendez. Si je peux, on le met là. What? Là, il se relie. Oh, mais d'accord. Mais putain, non. C'est qu'il y avait, c'était de ce côté qu'il fallait le brancher, mais non. Mais ça le remplit pas. What? What?
merde, mais il est branché, hein. Ou lui a foutu de l'électricité, il est censé marcher, non? Si je mets celle-là. Oh putain. Si je branche ça, je sais pas. Électrolytique séparateur. D'accord, pourquoi j'ai pas dit plus tôt? Électrolytique séparateur, c'est ça qu'il faut. Du coup, il va falloir recrafter ce bidule. Ok, bon. Alors, tout le monde, j'ai fait un petit problème. J'avais pas crafté le bon objet pour charger mon jetpack. Il ne faut non pas un gas burning generator. Accent de merde, hein, désolé. Mais il fallait un électrolytique séparateur. Donc, il nous faut 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de fer. Hop. Donc ça fait ça. 4 lingots. Il faut 4 en lingots. Il en faut 1 en poudre. Et le reste, il faut les transformer en enriched alloy là. Merde. Ouais, donc il va falloir 7 redstone aussi. Pouf. On va mettre ça là. Ça là. Il va falloir aussi un gold. Ainsi que deux redstone. En plus. Et donc il va nous falloir deux osmium dust. Voilà. C'est tout, je pense. Pendant on attend la machine. Allez, dépêche-toi. Il m'a fallu du temps pour comprendre. Enfin, il m'a surtout fallu le wiki, hein, bien sûr. Et sinon, ça serait pas drôle. Mais voilà. Donc, on pourrait déjà crafter la première partie. Et si je me souviens bien, c'est comme ça. Mais oui, grande mémoire. Je suis fier de moi. Ne vous opposez pas à moi. Je suis fier de moi. Hop. Touk, touk. Touk, 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 touk. Touk. Merde. C'est comme ça là. Oui. Ok, on a notre machine. Donc normalement cette fois ça fonctionne. Hein. J'ai vérifié wiki tout ça. Oh, en plus je la connaissais cette machine. Je l'ai déjà vue. Taisez-vous les oreilles, ne faites trop de bruit. Du coup maintenant comment ça marche? C'est bien. Alors maintenant on va aller retourner voir sur le wiki vite fait. Voir comment ça fonctionne, que je fasse pas de la merde. Si on met celle-là. Dumping. Hein. Dumping access. D'accord. Alors. Donc oui, wiki. J'ai pas compris. Comment ça marche? Je connaissais cette machine, mais plus trop maintenant en fait. Alors il faut. Ah, faut mettre de la flotte. Bon savoir. Non? Ah, si, comme ça. Ah, oui, on peut mettre masse de la flotte. Hein. Ah, et je me demande. Qu'on ait pas crafté ça pour rien. Si on fait. Si on met ça là. Ça. Non. Attendez, faut que je règle ça aussi. Ouais. Non, on peut pas la remplir directement, c'est pas le main mode. Bon, tant pis. C'est pas grave, on va la remplir à la main. À la bonne vieille méthode.
à la main. Hop. Ah oui, putain, faut rentrer dedans, mettre le seau, le retirer, reprendre le seau, le mettre dedans, le retirer, reprendre le seau, le mettre dedans, le retirer, putain. Pas forcément besoin de le remplir au max. Donc, ensuite, quand on a fait ça, il nous faut... est-ce qu'il faut mettre ça? Non, il y a un truc à faire en plus. Comment il se remplit? Ah! Pas ça. C'était ça. C'est pas ça. Ça à quoi le dumping? Bon, je vais aller voir sur le wiki de cette machine en fait. Eh oui, il me faut le wiki, hein. Ne dis rien, ne dites rien, s'il vous plaît. J'ai besoin de mes sources de référence. Disable upgrade. On va en profiter pour le remplir. J'ai pas compris. Il doit falloir un truc en plus. Et le dernier pseudo. Voilà. Elle est pleine la machine. Donc là, elle manque pas d'eau. Si je mets ça là. Non, vu qu'il faut, qu'il y ait de l'hydrogène. Alors on va faire dodo. Merde. Dodo. Alors c'est quoi le nom de la machine déjà? Alors, on va aller sur le wiki. Electrolyte séparateur. Traduire. Bon, je sais pas si j'ai ce qu'il faut pour me faire fonctionner cette machine, mais j'espère. Donc typiquement, la première application du séparateur électrolytique est dans l'électrolyse de l'eau et en hydrogène et oxygène. Oxygène, ouais. L'oxygène est généralement déversé dans l'environnement, mais l'hydrogène est utilisé pour remplir un jetpack et ou pour alimenter un générateur de gaz de gravure. Alors je crois qu'il faut... J'y mets dumping, dumping. C'est quoi qu'il faut faire? Ouais. Je fais ça. Non. Mais comment on fait passer là? Comment? En gros, je crois que si j'ai compris la machine, ça va transformer l'eau en hydrogène et en oxygène. Mais il y a un truc que j'ai pas pigé en fait. Montrez-moi les machines qu'ils ont faites. Ils ont fait ça. Non. En même temps, c'est pas ça. C'est ces câbles-là que je voulais. Non.
forcément vu qu'ils n'ont pas été produits. Mais pour quelles raisons n'ont-ils pas été produits? Oui, on pouvait directement l'alimenter en l'eau avec l'autre, en fait, j'ai rien dit. Mais je comprends pas. Là, il y a un truc. J'ai pas tout pigé, attendez. Bon, on va rester là-dessus, tant pis. On verra ça là. Je vous montrerai le truc fini au début du prochain épisode. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous, partagez la vidéo. Et on se dit salut à tous et à la prochaine. Ciao à tous.